Un seul titre au menu de cette édition, la première session du comité de pilotage du cadre de concertation État-secteur privé. Dames et messieurs, bonsoir et merci de feuilleter le journal du jeudi 7 mars 2019 avec nous. Eh bien, ce 7 mars, il s'est tenu au premier ministère la première session de l'année 2019 du comité de pilotage du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Après 3 heures de discussion, c'est un secteur privé heureux qui loue la volonté manifeste du pouvoir en place. Son porte-parole, Mamadi Sano, l'exprime au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kabouré. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que l'État burkinabé était très courageux. Effectivement, c'est vrai, parce que rencontrer les secteurs privés, écouter les secteurs privés, poser les problèmes que nous avons, recevoir des réponses à ces problèmes-là, et constater des avancées au fil des années, c'est un événement majeur dans notre vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés avec le gouvernement, sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec la quasi-totalité du gouvernement, en tout cas pour ceux qui s'occupent des questions économiques. Et nous avons déroulé un certain nombre de préoccupations. Nous avons examiné un rapport, et ce rapport nous a permis de recevoir des réponses, et ces réponses vont nous permettre d'avancer. C'était l'objet de notre réunion d'aujourd'hui et c'était le comité de pilotage que nous avons tenu en compagnie des membres du gouvernement. En tout cas, nous, secteur privé, nous sommes très heureux, nous sommes très contents parce que nous avons constaté des avancées dans tous les domaines, et dans le domaine minier, dans le domaine du commerce en général, dans le domaine de l'industrie et dans le domaine des travaux publics, nous avons pu, et des infrastructures, nous avons pu constater que le gouvernement avance avec nous. Mais les difficultés sont les difficultés que nous connaissons, les coûts des facteurs de production, la fraude, le manque d'infrastructures, et tout ceci est en train d'être mis en œuvre pour corriger ces difficultés que nous constatons. Et le secteur privé est très heureux parce que quand nous constatons de l'évolution, nous ne pouvons que nous réjouir, car nous savons d'où nous venons. Nous savons que nous avons eu beaucoup de difficultés et nous avons aujourd'hui la possibilité de pouvoir dire que ces problèmes sont en voie de résolution. Pour Haruna Kabouré, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrie, cette rencontre est une mise au point des 61 recommandations prises lors des précédentes sessions. C'est à bâton rompu que s'est tenue cette concertation. Haruna Kabouré nous fait le point au micro de Odette Zouanguena et Yannick Kabouré. Nous avons commencé à opérationnaliser ce nouveau cadre-là avec la tenue de rencontres régionales, la tenue de rencontres sectorielles et la tenue de rencontres nationales État-secteur privé à propos de l'assaut en novembre dernier. À l'issue de cette rencontre-là, il y a eu un certain nombre donc, de recommandations et d'engagements qui sont au nombre donc, de 61. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Et c'est pour cela que le comité de pilotage s'est réuni pour faire le point avec l'ensemble donc, des acteurs, notamment le secteur privé et l'ensemble des ministres concernés, pour trouver donc des réponses aux différents problèmes. On l'a dit donc le représentant du secteur privé, nous avons abordé sans langue de bois toutes ces préoccupations et les différents ministres ont pu donner l'état de mise en œuvre en fait donc des différentes recommandations. Parce qu'on ne refait pas la discussion, on vient ici pour voir tout ce qui avait été prévu, qu'est-ce qui a été mis en œuvre et ce qui n'est pas encore fait, quelles sont les échéances et les calendriers. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui avec des échéances suffisamment claires, certaines dates sont des dates très précises qui vont être réalisées où les actions vont être réalisées en 2019. Il y a d'autres actions qui sont des actions qui doivent être permanentes pour ne pas qu'on revienne en arrière. Et aussi, il y a des nouvelles dispositions qui vont être prises en matière réglementaire pour permettre donc d'identifier certain nombre de combats sur le terrain. Vous voyez bientôt, vous voyez qu'on a déjà mis la brigade mobile de contrôle qui fait des choses sur le terrain et qui va se renforcer avec de nouveaux accompagnements. Pour revenir de manière précise sur la question donc des produits, hein, de nos industries manufacturées qui sont victimes donc de la concurrence du loyal, de la fraude et tout le reste. Avec le secteur privé, nous avons réussi à faire un certain nombre donc, d'actions qui ont permis donc, de traiter conjoncturellement les problèmes, mais aussi donc, de prendre un certain nombre donc, de réformes qui vont régler de manière structurelle les questions.
À la SM Sosico, on avait à peu près 266 000 bidons d'huile de 20 litres et 250 000 en termes donc, tonnes donc, d'huile en vrac. Quel est l'état aujourd'hui? Nous avons réussi à enlever la quasi-totalité donc, de l'huile, les 266 000 bidons, il ne restait pas plus de 30 000. Sur l'huile en vrac de 250 000, ça a été totalement enlevé. Si vous prenez le problème donc, du sucre pour la campagne 2018, le sucre qui a été produit l'année dernière était donc de 33 000 tonnes et il y avait des problèmes de vente. La totalité, j'allais dire, du sucre de l'année dernière a été payée à la SM Sosico. Et le consommant local doit être une réalité au niveau donc, des produits qui sortent donc, de l'agriculture, mais aussi au niveau donc, des produits manufacturés. L'État joue sa partition, il faut que les Burkinabés puissent en tout cas faire le leur en consommant local, mais aussi nous donner les moyens pour que les produits soient de bonne qualité. Parce que les gens disent, donc la Benorm accompagne, on accompagne la certification. Je peux rassurer que l'ensemble des produits qui sortent de nos industries aujourd'hui ont un label de qualité. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Toujours à la primature et à l'occasion de cette session, la question sécuritaire est venue également sur la table de discussion. Nous le savons, le Burkina Faso est en proie à l'insécurité. Cette situation est-elle un frein à l'investissement privé au pays des hommes intègres? Sans langue de bois, le ministre du Commerce s'est exprimé sur la question. C'est au micro de Odette Zangena et Yannick Kabore. Il n'y a pas de problème de sécurité qui empêche l'investissement privé au Burkina Faso. Chaque jour, des nouvelles mines s'ouvrent aujourd'hui au Burkina Faso. Chaque jour, des demandes de permis de construire se font. Chaque jour, des nouvelles entreprises se créent. Chaque jour, il y a des investissements directs étrangers dans notre pays. Et les chiffres sont là et ils montent en puissance. Maintenant, je vais vous dire, et je le répète à chaque fois, il fait bon vivre. Et nous sommes en sécurité ici, au Burkina Faso, comme on l'est aux États-Unis, comme on l'est en France, comme on l'est dans tous les pays. C'est un phénomène mondial et chaque pays participe au combat mondial à travers les organisations internationales. Mais chaque pays participe au travail dans notre pays. Et vous avez bien regardé que la tendance est inversée au Burkina Faso et le secteur privé burkinabé fait ce travail, effectivement, nous le disons là, pour que les gens continuent d'investir en donnant lui-même le là, parce que les premiers investisseurs ici sont des Burkinabés qui investissent et qui font donc du partenariat. Donc oui, le Burkina Faso, il n'y a aucun souci qui est, j'allais dire, majeur par rapport aux autres pays en matière de sécurité. Je dis et je répète, la meilleure couleur de notre carte au Burkina Faso ici, ce sont les couleurs nationales en termes de peinture. La meilleure couleur, si on ne veut pas mettre les couleurs nationales là-dessus, c'est la couleur verte qui est la couleur donc de l'espoir. Et la meilleure couleur, si on ne veut pas mettre les couleurs nationales, c'est la couleur bleue, c'est la couleur de la qualité. Donc on n'a aucun problème là-dessus. Le Burkina Faso avance et nous allons continuer à avancer. Au cabinet de la première dame, c'était hier, l'on a procédé à la remise d'une ambulance flambant neuve aux forces armées nationales du Burkina Faso. Eh bien, c'est une contribution à la lutte contre le terrorisme au Burkina. C'est un don de la première dame du Burkina Faso, Madame Sika Kabore. Notre reporter, Moïse Kinda, nous fait l'économie de cette cérémonie de remise de dons. Cette cérémonie de remise de l'ambulance a vu la présence de toute la hiérarchie militaire, ainsi pour témoigner l'importance du geste de l'époux du chef de l'État pour appuyer les efforts des forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. Face à la situation sécuritaire difficile que nous vivons actuellement, chacun de nous peut apporter sa pierre dans le combat contre l'extrémisme violent pour qu'ensemble nous puissions bâtir une nation de paix. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu remettre donc cette ambulance aux forces armées nationales de mon pays. Il s'agit d'une ambulance d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA, auquel j'ai assorti un lot de matériel de façon à ce qu'elle puisse être opérationnelle de suite. Cette ambulance vient compléter le matériel médical roulant des forces armées nationales et permettra sans aucun doute de faciliter les évacuations sanitaires et sauver ainsi des vies. Un geste salué à sa juste valeur par le général de brigade Menungu Moyi, chef d'état-major général des armées. Je ne suis pas médecin, mais je sais que plus
de blessés est ramené dans des formations sanitaires, mieux cela vaut pour le récupérer. Donc cette ambulance, nous la recevons vraiment avec tout le respect et toute l'attention que vous avez eu pour nous. Nous vous remercions et au nom des Forces armées nationales et à mon nom propre, nous voulons vous remercier sincèrement pour ce geste. Et selon les premiers responsables des Forces armées nationales, l'ambulance sera dès demain convoyée dans la région de l'Est. L'ambulance que nous venons de recevoir va sauver des vies, nous sommes sûrs, parce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes sur plusieurs fronts. Et en étant sur plusieurs fronts, il nous faut obligatoirement trouver des moyens pour mettre dans chaque zone pour pouvoir relever nos blessés très rapidement et les amener dans les formations sanitaires. Donc, cette ambulance, je peux vous assurer que dès qu'on va recevoir, ça ne va pas rester avec nous, ça va partir déjà sur la zone. Je peux même vous dire que ça ira à l'Est dès demain. Sika Kabore, l'époux du chef de l'État, a aussi lancé un appel aux bonnes volontés pour imiter ses pas. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu le quitus du Conseil constitutionnel pour gérer le pays pour le septennat, en tout cas qui commence dans ce pays, réélu à plus de 58% des voix de suffrage exprimées, bien sûr. Il entend construire son plan émergent du Sénégal avec toutes les forces vives, dont Abdou Diouf et l'ancien président également, Abdoulaye Wade. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a validé mardi la réélection dès le premier tour du président Macky Sall, qui a aussitôt annoncé tendre la main à l'opposition. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive, dialogue auquel mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient apporter leur contribution. Ses quatre adversaires avaient annoncé rejeter les résultats provisoires, mais ont renoncé à les contester devant le Conseil constitutionnel. À 56 ans, Macky Sall repart pour un second mandat porté par son projet de développement du pays, le plan Sénégal émergent. Le Sénégal, qui a connu deux alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, fait figure de modèle démocratique en Afrique. Mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de désinformation et de violence. Des affrontements ont fait deux morts le 11 février à Tambacounda, à 420 km à l'est de Dakar, entre partisans de Macky Sall et du candidat Issa Sall. Un tour également en Algérie où la tension n'est pas prête de se calmer. Eh bien, ce mouvement d'humeur en Algérie contre un cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika prend de plus en plus de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est le tour des journalistes et des avocats de rentrer dans la danse. C'est un no comment. Suivez. C'est fini pour ce soir, dames et messieurs. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Et par anticipation, nous souhaitons bonne fête aux femmes au Burkina Faso. Dieu bénisse le Faso.